De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite. On en profite pour vous faire découvrir des talents, et oui, qui sont en Guadeloupe, de passage, ou qui vont bientôt y résider, ou qui vont bientôt vous préparer quelque chose pour la Guadeloupe. Et là, encore une fois, place au ciné avec un acteur de renom, quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, grâce à son visage, vous le connaissez grâce à sa voix. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Galiam Bruno Henri Canoufet. Sakamaché Styli. Ah, je suis content de te recevoir. Honnêtement, merci, merci tu es l'un des visages avec lequel on peut se représenter dans le cinéma. On oui. se dit, ah voilà, lui je l'ai déjà vu là, lui je l'ai vu là, lui je l'ai... Mm. Quelle première question? D'où te vient cet amour pour le 7e art, pour le cinéma? Est-ce que c'est depuis tout petit ou est-ce que c'est vraiment venu par hasard? En fait, c'est venu du fait qu'un professeur de théâtre, parce qu'à une époque, j'étais chorégraphe, ouais. et il y a un prof de théâtre qui s'appelle Dominique Viriot qui a demandé à une de ses élèves, qui est dansée avec moi, ouais. Que je la mette en scène pour un examen de son cours. Donc, je l'ai mis en scène ouais. et ça fait un carton à l'examen. Et le prof de théâtre m'a dit « Bruno, tu t'inscris quand ?» J'ai dit ben demain. Okay. Voilà. Et j'ai fait une formation pendant 3 ans. Ouais. Et au bout de ces 3 ans, il y a eu un casting pour une pièce de théâtre avec Monsieur Amédée, qui s'appelle Monsieur Amédée avec Michel Galabru, Bernadette Lafont. Okay. Donc j'ai été pris et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai pris des cours avec Michel Galabru pendant ouais. un an. Ça a été mon mentor. Mon ami, je connaissais toute sa famille, c'était okay. devenu vraiment un ami proche. Et puis voilà, quoi, j'ai appris énormément avec ce monsieur. Et vu qu'on parle des voilà. débuts, quel conseil peux-tu donner aux jeunes, voilà, aux jeunes acteurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, bien sûr, de la Guyane, on n'oublie personne. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, notre cinéma commence vraiment à se, ah, oui. à se développer. Ah, oui, il y a beaucoup. Énormément de jeunes comédiens talentueux. Mmh. Quel conseil mmh. peux-tu leur donner là, ben, moi, le conseil que je peux leur donner, c'est de rester authentique. De rester vrai. Et quand vous avez certaines fêlures ou certaines blessures et tout ça, n'essayez pas de les enlever. Au contraire, il faut les garder ouais. pour s'en servir parce que c'est ça qui va donner du caractère à votre jeu qui feront que quand on va vous regarder, on va vous dire « Ouais, lui, il est à part, il a quelque ouais. chose. » Parce que souvent, des fois, ce que je reproche, des fois, dans certains cours, c'est qu'on formate tout le monde de la même façon. Ouais. Et je trouve dommage, quoi, parce que je trouve que, justement, le must d'un artiste, c'est d'avoir quelque chose qui, voilà, qui ouais, dénote. Sort de l'ordre. Qui, exactement. Okay. Et donc, voilà, il faut faire avec. Surtout, le conseil que je peux donner, restez humble. Parce qu'un film, ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Et puis après, voilà, travaillez votre diction, ce qui est important. Exact. Et surtout, soyez à l'heure dans des rendez-vous. Parce que être à l'heure, c'est 50% d'un contrat. Justement, et justement, j'en profite, comment est-ce qu'on réussit un bon casting? Parce qu'il a raison, il faut être à l'heure dans le casting, oui. mais comment réussit-on un bon casting et surtout, comment le prépare-t-on? Ben, alors, un casting, déjà, il faut apprendre le texte ouais. par cœur. Déjà, il faut le lire, et petit à petit, le texte y rentre. Après, si tu as un camarade, demande à ton camarade quand tu as une réplique qu'il te donne la réplique. Ouais. Comme ça, déjà, ça va t'enlever déjà peut-être le trac ou la peur. Parce que passer un casting, moi j'ai le trac, j'ai la trouille aussi, ouais. malgré que j'ai fait pas mal de choses. Et puis après, c'est rentrer dans le personnage tout de suite. Même quand tu as peur, il vaut mieux y aller, boum, d'un ouais. coup comme ça. Parce que c'est plus facile à un casting de te dire oh non, là, ok, c'est bon, maintenant enlève un peu. Quand disent que si tu es là, et plus on va te dire mais non, et en fait, ça va faire en sorte que tu vas plus t'enfoncer okay, qu'autre chose. D'accord. En fait, il faut rentrer dedans. On va vous calmer, mais surtout, ne soyez pas timoré. Voilà, et même cette timidité, après, peut être jolie ouais. en fonction du personnage qu'il aura à défendre. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà, mais seulement, en fait, il ne faut pas avoir peur de se mettre à nu. Et moi, ce qu'un jour, Michel, il m'avait dit, Bruno, tu sais, ce que tu mets dans ton rôle, dans ton personnage, ouais. ce que tu mets dedans de personnel, personne ne le sait à part toi. Ouais. Les gens, quand ils vont te regarder, ils vont te dire « Ah, putain, c'est un bel interprète et tout ça, quoi. Ouais. » Donc, surtout, n'ayez pas peur et allez-y, quoi. Comment fait-on pour avoir, parce qu'on t'a vu un petit peu partout, tout le monde connaît ton visage, mm-hmm. comment est-ce qu'on fait, surtout, on ne va pas se mentir, quand on est noir en France, pour se retrouver dans plusieurs films, plusieurs courts-métrages, plusieurs longs-métrages?
Comment, est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est le fait de rester connecté sur les, je sais pas, les castings? À l'époque, il n'y avait pas de site, je crois, de casting. Oui, maintenant, il y a des sites. Et puis maintenant, j'ai un agent, ouais. Qui est cinéaste, okay. Bertrand Davas, qui lui reçoit des scénarios, ouais. Et qui fait en sorte de prendre rendez-vous pour que je puisse passer des essais. Donc, il faut avoir une équipe. Oui, et puis après, quand je suis à l'étranger, je fais des self-tapes. Okay. Des self-tapes, tu vois, où tu t'enregistres et t'envoies la vidéo à ton agent qui l'envoie au casting, le casting qui le fait passer au réalisateur qui regarde pour voir si tu peux. Et très important pour les comédiens et les comédiennes, ce qui est très important, c'est d'avoir une bande démo. Ouais, ok. Voilà, c'est un CV en images. Donc, c'est plein de petits bouts de scène. Ça sert à rien d'avoir un truc de 5 minutes. Faut juste avoir les meilleurs moments percutants de toi en train de jouer dans différents... rôle et différentes états, émotions. Voilà. Okay. Et voilà. Et puis après, moi, je sais que j'ai fait des films qu'on marchait, qu'on fait des festivals. Ouais. Donc, je vois par exemple le film de François Zélon, ça a démarré avec son film qui s'appelle Waka, que j'avais tourné au Cameroun. Ouais. On a fait le tour du monde avec ce film. On a fini au Artlight Theater à Los Angeles. Okay. Il a gagné le prix du jury Rahul Libga, qui est un grand festival de cinéma africain. Et à partir de là, en fait, il y a plein de cinéastes africains qui ne me connaissaient pas, qui m'ont vu et qui ont commencé à me proposer des rôles, des premiers rôles. Et puis voilà. Et puis après, petit à petit, je suis parti en Chine tourner un long métrage avec Mike Tyson, Steven Seagal, Eric Ebouané, Joachim Tivoukou. Et ça, par contre, eh ben ça, ils m'ont choisi sur bande démo. D'accord. D'où l'importance de cette bande démo. Voilà, vous entendez. Donc, franchement, vous donne des conseils de fou. Donc, franchement, appliquez-les. Encore une petite question, on en parlait hors antenne. La place de l'homme noir, justement, dans le cinéma français. Uh-huh. Est-ce que c'est compliqué, quand même, de se faire une petite place? Bah, en fait... J'ai envie de dire que oui, il y a quelque chose de compliqué et en même temps, il ne faut pas se positionner en victime, il ne faut pas se positionner en disant c'est compliqué. Il faut juste se positionner en disant j'ai envie de le faire. D'accord. Et à partir du moment où tu te mets dans cette position, j'ai envie de le faire, quelle que soit l'adversité ou les gens que tu vas avoir en face de toi, de toute façon, si sur 10 personnes... il n'y en a aucune qui va t'ouvrir la porte, peut-être que c'est la 11e qui va marcher. Exact. Donc, il faut être tenace, il ne faut jamais lâcher. Parce que si tu lâches, ce n'est pas fait pour ce métier. Il faut vraiment être tenace, y croire au magique. Et ça, c'est super important. Et il n'y a que comme ça que tu peux franchir un peu les barrières. Même si c'est compliqué, ça s'ouvre un petit peu, tu vois. Petit à petit, ça s'ouvre un petit peu, tu vois un peu plus de noix, ou souvent c'est un peu tout le temps les mêmes qui tournent. Ouais. Mais de temps en temps, il y a des choses comme ça, où tiens, qui se dit, tiens, même au niveau des présentateurs et tout, tu vois, il commence à y avoir des binômes noirs, blancs, enfin, il y a quelque chose qui s'opère. Ouais. Mais bon, on ne devrait pas à se battre pour avoir cette place-là. Ça devrait être naturel, parce qu'on dit que les Antilles, c'est la France. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Et malgré tout ça, on est obligé de se battre pour prendre cette place-là. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Il est en train de me chauffer là. J'ai besoin de coach comme ça dans ma vie. Genre, vas-y, lève-toi le matin, va bosser. Justement, la vision que tu as par rapport à notre cinéma, là encore, c'est pas ta première venue ici. Tu as eu l'occasion vraiment de voir un petit peu les festivals qu'on fait, de voir les réalisations, les courts-métrages. Quelle est ta vision? Moi, quand j'ai vu Timounao, de Foi. Exactement, de Nelson, qu'on salue. J'ai fait waouh, quoi. Parce que tu vois, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et là, j'ai vu une belle réalisation. J'ai vu des bons acteurs au niveau de l'intensité, au niveau de l'image. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça, mais vraiment très, très bon, quoi. Ouais. J'ai vu, j'avais pas vu Le Bonheur d'Elsa de Mariette Montpierre et tout ça. Et je l'ai vu dans le cadre du festival. C'est ça, justement, l'occasion d'être dans les festivals, c'est que ça nous permet de voir des films. Exact. Mais malheureusement, là, au FEMI, comme je suis arrivé, il y a le coup du septaine qui est tombé. Ouais, exactement. Donc du coup, moi, je n'ai pas pu, j'ai été enfermé pendant 7 jours. Il a dû rester enfermé pendant 7 jours. 7 jours. Et du coup, je suis arrivé à la fin du festival. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas pu voir, j'aurais aimé voir les autres films et tout ça, mais du coup, de la septaine, on a dit non Bruno, j'ai dit mais si je veux pas. On dit non Bruno, septaine. Donc j'ai respecté. Au moins, il a respecté. Mais de toute façon, je pense que... Je serais amené à revenir. Tu as des projets, justement? Oui, justement, j'ai un projet de long métrage qui s'appelle Le Chant des Ratières, et qui est un long métrage que je suis en train d'écrire. J'ai une scénariste qui s'appelle Véronique Rouvérolis. Ouais. Et voilà, donc je suis en train d'écrire ce long métrage qui sera pour les Antilles, pour la Guadeloupe. Donc forcément, je travaillerai avec des acteurs d'ici, certains techniciens et tout ça. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment un joli projet de cinéma.
Et puis, j'ai une pièce de théâtre que j'écris qui s'appelle « Coach-toi, pauvre con », qui est vraiment okay. Là, c'est pure comédie. J'adore le nom. Voilà. Voilà. Très et bon. Je l'ai écrit en français et en créole, parce que moi, je suis parti quand même d'ici avec un dictionnaire français-créole. J'ai un livre des citations et tout ça, tu vois. Et puis bon, moi, nous n'avons pas les créoles, même si on a dit mon accent négropolitain. Mais on s'en foutait, on a compris de créole, on n'a pas les créoles. Et on a mangé créole. Eh bien, OK. Tu vois. Il n'y a pas les créoles, il n'y a pas ces créoles. Créole, c'est ça y est. Exactement, parce que voilà, c'est mes origines et que j'ai toujours été en contact avec les Antilles. Ouais. Même si j'ai jamais tourné ici, mais parce que j'ai surtout tourné à l'étranger. Mais j'ai émis cette volonté de vouloir tourner ici, mais voilà. Alors, peut-être que c'est la bonne période. Écoute, il y a un moment donné, on avait dit que j'avais trop une tête d'Africain. Ça fait mal. Alors que dans des productions antillaises, il y a pas mal d'Africains qui bossent ici, aux Antilles. Quoi. Bon, et on en parlait justement avec Saison Africa 2020. On salue d'ailleurs Mission Cinéma Caraïbes. On a salué qu'on a des acteurs donc, originaires de la Guadeloupe et de la Martinique. Exactement. Qui sont des superstars en Afrique. Donc il y a cet échange, il n'y a pas de souci, on se ressemble, on s'adore, on se kiffe. Exactement. We are one. Exactement. Et puis Félix, grâce à Félix, qui fait énormément de choses et tout ça. Et puis il y a Christelle Galou-Théophile aussi. Ouais, parce que c'est grâce à elle que je suis là, parce que c'est elle qui a pris mon court-métrage Le Service, qui l'a repéré, qui l'a pris en compétition officielle au Cinéstar au mois d'octobre. J'ai gagné le coup de cœur du jury. Il a été acheté par Guadeloupe Première grâce à Nadine Félix. Donc il est passé en prime time à la télé et tout. Après il est repassé et c'est génial parce que c'est quand même un court-métrage qui a gagné 28 awards à travers le monde. Okay. Et là il vient d'être sélectionné au PAFS. C'est le Pan African Film Festival de Los Angeles qui a été créé par Danny Glover. Okay. Donc là, il a été sélectionné en compétition officielle, donc je suis super content. Danny Glover qui était aussi venu en Guadeloupe, on rappelle. Voilà. Le voilà, et oui, Danny Glover qu'on connaît très bien. L'arme fatale. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et je suis très très content parce qu'il se passe de belles choses. J'ai un autre projet de court-métrage, parce qu'il y a une scénariste qui s'appelle Marilyn Mailleux qui écrit très 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 bien. Et c'est un projet de court-métrage avec 3 SDF. Et puis voilà, et puis j'écris, et puis là je reviens du Burkina Faso parce que j'ai tourné un long métrage avec Irène Tassambedo qui s'appelle La Traversée. J'ai été le rôle principal. J'ai tourné pendant 2 mois, au mois de août et septembre. Ouais. Et c'est une autre façon de parler de l'émigration et tout ça. Donc c'est un film qui va sortir bientôt, plus un autre film de Jean-Luc Herbulot qui s'appelle Sin Saloum et qui est un premier film de genre africain et que j'ai tourné au Sénégal. Okay. Et voilà, donc écoute, moi, tu sais comme on dit, mais même quand il se passe rien dans cette période de pandémie, il faut pas se... Parce que quand tu regardes les actualités et tout, c'est catastrophique, t'as envie de te pendre, exactement, tu vois, c'est terrible. Alors que, faut essayer de créer, trouver des énergies autour de vous, des gens qui fait que... Tu vois, moi, je suis venu en Guadeloupe, j'ai rencontré une avocate qui a une boîte de prod qui s'appelle Judith Alphonse, qui s'appelle Urban Dreamers, et je sais qu'elle est intéressée par ma pièce de théâtre. Donc, on va rencontrer des gens. J'ai rendez-vous avec Canal Plus la semaine prochaine. Je rencontre des gens. Et puis c'est comme ça. Il faut essayer de mettre des projets. Et quoi qu'il arrive, il faut y croire. Quoi. Et puis, si ça ne marche pas là, il faut continuer à se battre. Et puis, il faut continuer à se battre. Et puis, après, tu trouves quelqu'un qui va te faire rencontrer quelqu'un. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. Quand tu as du positif à l'intérieur de toi, et ça c'est important. Tu as le droit d'avoir tes moments où tu n'es pas bien, tu es down et tout ça, mais il ne faut pas rester dedans. Il faut se dire qu'on peut en sortir. Et c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde, surtout dans cette période où les gens ont tendance à vouloir se taper dessus, à se jalouser. Non, il faut être ensemble. Il faut être ensemble pour justement qu'on soit une espèce de force de frappe, pour qu'on puisse justement... relever tout ça, mais vers le haut, qu'on dise pas négla. Justement, faut que nous ensemble, tu comprends ce que je veux dire, comme font les juifs, comme font les arabes, yo ensemble, faut que nous ensemble, tu vois. J'adore. J'ai dit, je vais le prendre comme coach de vie. Il est en train de me motiver, là. J'étais déjà motivé, il me chauffe encore plus. Et ça qui est bien, c'est que tu ne fais pas que ça. Tu fais aussi des voix off pour le cinéma et pas de n'importe qui. De Tyrese, qu'on connaît très bien. Exemple, si vous ne connaissez pas Tyrese, on a tous vu Fast and Furious. Tyrese, c'est l'ancien chanteur qui est devenu donc acteur. Qu'on connaît très bien. Exactement. Et comment devient la voix française de Tyrese? Écoute, moi, il y a quelques années, en fait, il faisait des essais pour Baby Boy. Ouais. Et Baby Boy qui est vraiment un classique des années 90. Le premier film, c'est le film de John Singleton. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais, ouais. Et puis, donc, le,
je fais des essais et tout, et puis le mec, il me regarde, parce qu'en plus, moi, je débutais, quoi, tu vois. Et il me dit, écoute, pour moi, Bruno, t'es le rôle, mais les clients te connaissent pas. Écoute, voilà, je te rappelle. Et je me rappelle, j'étais dans le bus. Ouais. Et puis, il me rappelle 2-3 jours après, il me dit, bon, Bruno, les clients, ils t'ont choisi. J'ai poussé un cri dans le bus, mais tu peux pas même pas savoir. Ben quoi. Oui. Et de là, je me suis retrouvé, j'avais en plus le premier rôle, il y avait 650 lignes, mais j'avais peur. Et là, il y avait Maïk Dara, Marie-Christine qui fait la voix de Whoopi Goldberg, ouais, et tout ça, ouais, et ouais. Qui en fait depuis je sais pas combien d'années. Et puis, il y avait Jean-Michel Martial aussi à l'époque qui ouais. était là. Et du coup, ils m'ont encadré comme si j'étais leur gosse, je me suis ouais. senti, ils m'ont dit là tu montes à l'image, là tu fais ça. En fait, ils m'ont formé et puis ça a été parce génial. Parce que la voix off, c'est un vrai métier, il faut savoir retranscrire vrai métier, vraiment les émotions. Et rapidement. Donc maintenant, lorsque vous regardez les Fast and Furious ou tous les autres films de Tyrese, voilà, c'est lui. La voix ouais. française que vous entendez, c'est lui. Ouais. Franchement, ce fut un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. Merci. On ne pourra pas tout dire, donc obligatoirement, tu vas revenir. C'est une quotidienne, donc vous pouvez tous revenir. Ah bah c'est clair. Mais on va quand même donner tes adresses sur les réseaux pour que les spectateurs puissent te suivre. Exactement. Donc, est-ce que tu as Facebook, Twitter ou même YouTube? Vas-y, donne-le. King, YouTube, il y a aussi IMDb. Mais voilà, tout, vous tapez Bruno Henry, sauf sur Instagram où vous tapez Galiam, bien sûr. Bruno Henry, tout est là, noté, liké. Encore une fois, c'est une des forces du pays, et oui, qui nous représente comme jamais. Ouais. Merci pour le travail que tu fais. Merci à toi, Stanley. Merci pour le travail que tu vas oui, faire. Oui, parce qu'il y a des choses à venir. Et si tu avais un tout dernier message, parce que j'adore tes messages, un tout dernier message. Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Dominique, qui j'ai pas dit, la caméra est juste là. Ben, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, bon, c'est Nec PIA, et à travers le monde, à chaque fois, j'emmène les Antilles avec moi, et je suis fier de les représenter, et c'est pas fini. Et on c'est continue. Pas fini. Je te dis à très vite. Merci. Dès que tu as quelque chose à nous proposer, ouais, avec plaisir. Un petit truc à venir discuter avec moi, il n'y a pas de problème, tu prends le café, on prend le café. Ok, avec plaisir. Et puis on plaisir, se fait plaisir. Merci à toi, longue merci vie à toi. Ton art, et à très vite. Nous, on se dit aussi, bien entendu, à très vite avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.